Hello, on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est jeudi, c'est n'importe quoi. Le début de semaine est passé à une vitesse incroyable. Je vous pointe avec une tête de déterré, clairement. J'ai énormément, énormément de choses à vous dire puisque ça fait un certain temps que je ne vous ai pas pris. De mémoire, je vous ai pris au retour de Brive où je n'avais plus de voix. Et donc c'était il y a déjà plus d'une semaine, il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Donc j'ai plein plein de choses à vous dire. Entre-temps, j'ai reçu plein de colis. Du coup là, je vais simplement débuter avec un unboxing et je vous reprendrai plus tard dans la journée parce que là, je suis sur ma pause déj, j'ai encore plein de choses à faire avant. Donc j'ai reçu un colis de chez Avamay par lequel je vais commencer. Je suis trop contente parce que du coup je l'ai déjà ouvert mais j'ai pas encore regardé enfin, ce que c'était. Mais je le sais d'avance. Il s'agit du coup d'une nouvelle collection avec un nouveau format de bougie et je suis trop, bah, trop heureuse tout simplement. Hop, voilà le colis en question. Donc dedans nous avons la première bougie qui est une bougie Cabernet Sauvignon et en fait ça sentait quand j'ai ouvert le colis. Ça sent le vin. En fait, vous avez un capuchon en liège comme ça. Et vraiment, ça sent comme une bouteille de vin rouge qu'on déboucherait. Et voici du coup la bougie en question. Donc, c'est un nouveau format. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai pas les anciennes là sur la table. Mais donc, qui sent extrêmement bon. En fait, ça n'a rien à voir avec l'odeur. Ça sent quand même le vin, mais ça sent le raisin plus que le vin. Ça sent très, 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 très bon. Le parfum en question. J'ai le descriptif en même temps. Le parfum, tuc tuc tuc, c'est vin rouge rhubarbe et bois de cèdre. Et c'est hyper, c'est assez sucré comme odeur. Ça sent presque la framboise, même si rien à voir. Mais voilà, le packaging est très très beau. Et l'odeur est juste incroyable. Vraiment, je trouve que la bougie est magnifique. Donc ça, c'est la première. La seconde, c'est Bourbon Whisky. Décidément, on est sur la collection spiritueux. Et... Alors là, le bouchon ne sent pas le vin. C'est un bouchon en liège aussi. Non. Par contre, ah, l'odeur de celle-ci. Ah, c'est incroyable. Ça sent la vanille. J'ai pas le... Alors, caramel, bouleau, tabac. Ouais, caramel, mais ça sent le caramel de manière légère. Pas le caramel en tétant, comme ça peut parfois être le cas sur des parfums ou des bougies. Et là, ça sent très très bon. C'est vanillé. Donc ouais, caramel, bouleau, tabac. Et... Ah, c'est hyper agréable. Donc pareil, celle-ci, c'est un nouveau format. Donc décidément, on est sur la collection spiritueux fin d'année. Les deux ensemble, déjà, sont trop belles sur la table basse. Ça ira très, 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 très bien. Et enfin, nous avons celle-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Mais le colis a pris un peu cher. Donc j'espère qu'elle n'est pas abîmée. Hop. Donc là, on est sur un autre packaging. Celle-ci, c'est la Pinot Noir. C'est une édition spéciale. J'ai peur qu'elle soit cassée. Vu le bruit que ça fait à l'intérieur. Ah non, elle n'est pas cassée, c'est juste que c'est un couvercle en métal là sur celle-ci. Et alors là, l'odeur de celle-là est juste dingo. Donc, l'édition fin d'année, Noël, clairement. Et là, on est sur un parfum cassis framboise pêche. Et ça sent incroyablement bon. Franchement, toutes elles sont très très bonnes. Mais alors celle-ci... Et vraiment celle-ci, je la... Enfin, en fait, toutes les trois, je les adore. Donc voilà, la collection spéciale fête de fin d'année. Et donc, comme toujours, vraiment, je suis ravie déjà pour commencer. Elles sont trop belles. J'en avais plus du tout. Enfin, là, j'arrive en fin de... J'arrive en fin de celle-ci, la grosse, qui était la Club Noé 02, que j'ai sur ma table de salon et qui sent très très bon. Elle sent le coton un petit peu. Ça sent le frais, ça sent le propre, entre guillemets, enfin le linge qui sort de la lessive et enfin de la machine à laver. Et j'aime beaucoup. Donc, comme d'habitude, j'ai un code à vous donner si ça vous intéresse. Le code, c'est OFFCAFÉ. Je vous le mets ici en plein milieu. Avec, vous avez moins 65% sur toute la boutique, sans minimum d'achat, et moins 25% sur le calendrier de l'Avent que je vous avais du coup déjà présenté. 65%, je crois que c'est l'offre la plus haute. Dernièrement, je vous ai, je crois, donné un code avec 60%. Et là, on est encore un cran au-dessus. Puisque du coup, nous sommes en pleine période de Black Friday. Voilà, donc ça peut être l'occasion de commencer ces cadeaux de Noël. Moi, j'ai déjà bien, bien, bien commencé. Je pense que j'ai fait, je dirais, 70% de mes cadeaux de Noël. Donc, une bonne chose de faite qui fait qu'en décembre, normalement, ce ne sera pas la course. J'ai pris le temps de le faire, donc je suis plutôt contente. Donc, voilà le code.
je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises, mais typiquement sur ce type de bougie là, ça vous la fait passer de 68 euros à 23 euros, donc ce qui était quand même une grosse promotion. Et voilà, et qui plus est, c'est des bougies qui durent. Moi, c'est des bougies que j'ai donc dans mon salon, je vous le dis à chaque fois, hein, mais qui durent, qui brûlent correctement, c'est-à-dire qu'elles brûlent vraiment au même niveau. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ce n'est pas le type de bougie low cost qu'on peut acheter, moi la première, hein, parfois dans certains magasins, même d'ailleurs chez Ikea, où en fait la bougie fond en se creusant, et donc on a énormément de pertes de cire sur le côté. Là, ce n'est pas du tout le cas, donc voilà, je suis toujours autant ravie de ces produits, et c'est pour ça que je continue à vous en parler. Ça, c'était du coup le premier unboxing, et je vous reprends dans l'après-midi, en fin de journée, pour vous montrer la suite. Hello, on est vendredi soir, je vous prends enfin, je vous ai laissé hier en vous disant que j'allais vous reprendre et finalement pas du tout. Si vous voyez de la vapeur, enfin du coup de la fumée peut-être sur l'écran, c'est parce que je viens de me faire un thé, enfin plutôt un rooibos très 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 chaud. La journée est enfin terminée, je me pose parce que j'ai littéralement un milliard de choses à vous raconter. Il faut que je vous parle de tous ces livres et que je vous montre tous ces colis. Voilà. Donc, comment vous dire que j'ai plein de choses à vous raconter, à tel point que je ne sais pas vraiment par où commencer. Hier, je vous ai quitté avec un unboxing, donc je vais peut-être faire un petit point lecture, comme ça, ça va permettre d'alterner un peu. Donc, la dernière fois que l'on s'est vu de mémoire, il me semble que je vous ai parlé de la librairie Morizaki, que je vous ai parlé de La Déraison et de Mémoire de la Forêt, qui sont jusqu'ici les lectures que j'ai, que j'avais terminées. Entre-temps, j'ai lu un roman que je n'ai pas avec moi, donc je l'ai lu sur liseuse. C'est le tome 2 de Johanna Gustafsson, c'est la suite de Bloc 46 qui s'appelle Mort. Si j'y pense au montage, je vous mettrai la couverture juste ici. Donc nous sommes sur une suite, sur la suite de Bloc 46, et c'est un thriller, bien évidemment, que donc j'ai lu en lecture commune avec les copines, la même team que Bloc 46, et je pense que de manière unanime, on peut dire qu'on a eu un coup de cœur là encore pour ce deuxième tome. On retrouve Alexis Castells et Emily Roy, qui sont donc les deux personnages principaux que l'on a déjà dans Bloc 46, et cette fois-ci on va les retrouver sur une autre enquête. On est entre Londres et la Suède de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait d'autres, enfin j'ai peut-être déjà oublié. Je ne peux pas vous parler de la quatrième de couvre parce que comment dire, c'est vraiment deux histoires indépendantes, c'est deux enquêtes indépendantes, mais il y a quand même une suite à Bloc 46. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parallèlement deux histoires, deux temporalités. On a d'un côté, donc, je crois, l'année 1888, où ça commence, où nous sommes donc à l'époque de Jack l'Éventreur, donc à Londres. Et nous sommes ensuite de l'autre côté de nos jours, enfin je crois qu'on est en 2015 en Suède. Et ici nous allons avoir une présentatrice, enfin une personnalité, une actrice je crois, qui disparaît. Et donc nous avons nos deux enquêtrices, nos deux personnages principaux, donc Emily et Alexis, qui vont enquêter sur bien sûr ces faits-là et rapprocher ces deux temporalités. Franchement, c'est à la hauteur de Bloc 46, c'est incroyable la manière dont Johanna Gustafsson raconte les histoires, c'est incroyable la manière dont elle nous tient en haleine en fait au fur et à mesure des pages. On a énormément de rebondissements et à la fois tout s'imbrique parfaitement à la fin et c'est tellement satisfaisant. Moi je sais que c'est vraiment ce que j'aime dans un thriller, d'avoir les réponses à toutes mes questions, et là en l'occurrence c'est le cas, donc forcément voilà, un coup de cœur. J'ai donc acheté, alors je vous le montrerai après, j'ai acheté cette semaine la suite qui donc s'appelle Sang ou Sang, je sais pas vraiment comment ça se prononce, puisque très souvent c'est des traductions, en l'occurrence mort, ça veut dire je crois la viande tendre, enfin ça veut dire tendre mais ça s'applique à la viande, et vous le comprendrez assez vite, il y a un lien avec l'histoire. Voilà donc pour ma lecture, je m'excuse encore parce que je suis malade, donc parfois j'ai des quintes de toux, j'essaierai de couper ça au montage.
Bon, et du coup, j'ai profité de ma quinte de tout pour aller le chercher. Donc, j'ai acheté celui-ci. Et ici, il est question, donc nous sommes toujours en Suède. Une famille est massacrée dans sa luxueuse demeure. Ce fait divers macabre rappelle sur ses terres Aliénor Lindberg, une jeune autiste Asperger, récemment entrée comme analyste à Scotland Yard. Ce sont ses parents qui ont été assassinés. Super. La profileuse Emily Roy la retrouve à Falkenberg où l'équipe du commissaire Bergström mène l'enquête aux côtés d'Alexis Castells, une écrivaine spécialisée dans les crimes en série. Ensemble, ils remontent la piste sanglante du tueur jusqu'à la guerre civile espagnole lorsque le dictateur Franco réduisit toute résistance au silence dans le sang. Et bon, bah, clairement, je découvre la quatrième de couve avec vous puisque je ne l'avais pas lue en l'achetant. Et en fait, c'est la particularité de cette saga, c'est-à-dire que ce soit sur Bloc 46, sur Mort ou sur celui-ci, nous avons une enquête de nos jours et un autre fait qui se passe à une période historique totalement différente et généralement une période historique que l'on connaît tous, soit de nom, soit un peu plus en détail. Ici, donc, la guerre civile espagnole. Sur Mort, comme je vous le disais, on était à la période de Jack l'Éventreur. Et sur Bloc 46, il était question de camps de concentration et de Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est vraiment, c'est bluffant en fait, la manière avec laquelle Johanna Gustafsson arrive à lier ces faits historiques avec, avec une enquête, avec un thriller, parce qu'il y a quand même des détails très frappants. Elle arrive à nous plonger dans l'atmosphère et du meurtre qui a lieu de nos jours et de ce qui se passe dans le passé. Et voilà, et c'est assez rare, je trouve, alors, ou alors je n'ai jamais lu de thriller similaire, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette particularité, le fait de retrouver justement quelques notions historiques dans un thriller, et donc j'ai trop hâte de le lire, et je le lirai bien sûr en lecture commune avec les copines, comme sur les précédents. Ça, c'était donc le point lecture terminé. Ensuite, j'ai pareil terminé une autre lecture. Alors, je suis désolée, c'est pas vraiment un vlog puisqu'en fait, je vais vous prendre pendant très 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 longtemps. J'ai terminé La femme de ménage de Frida McFadden, qui est donc un roman que j'avais reçu par les éditions J'ai lu. Et ici, nous sommes donc en Angleterre, aux États-Unis. Je sais même plus. Je sais même pas s'il y a un. S'il y a Ah, je vais y arriver. Si, on est aux États-Unis, autant pour moi, parce qu'il est question à un moment d'un lieu qui se passe aux États-Unis. Bref, je vais y arriver. Je vous lis la quatrième de couve et après je vous donne mon avis. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Bon, bah si, il y avait un détail. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Mr. Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Et cette lecture, franchement, alors. Je vais vous donner mon avis très rapidement. C'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur assez inespéré. Donc, je l'ai lu en lecture commune avec, avec les copines, donc Morgane et Alizée. Morgane du conte Les lectures de Morgane avec deux N et Alizée du conte Un livre à Bordeaux. On a lu cette lecture déjà, c'était pas du tout prévu. Les filles avaient commencé, je voulais lire, je me suis rajoutée avec elles. Et donc Morgane l'a lu, je crois, en 24 heures, quelque chose comme ça. Alizée a pas mis beaucoup plus longtemps. Et moi, je traînais un petit peu à commencer ma lecture. Par contre, une fois que je l'avais commencé, on est sur une écriture qui est hyper addictive. On a tout le temps envie de tourner les pages pour connaître la suite. En revanche, sur les, je dirais, 200 premières pages, même peut-être un peu plus, le roman, en fait, au total, dans l'édition de poche, il en fait 400 et quelques. Il en fait 410 et sur les 150 premières pages, je dois dire que j'étais hyper oppressée. En fait, on a une ambiance déjà très 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 oppressante. On suit donc Millie de son point de vue à elle qui arrive dans cette famille. Pour elle, donc comme le dit la quatrième de couve, c'est un nouveau départ, c'est une chance inespérée puisque Millie a un passif assez trouble. On ne sait pas ce qu'elle a fait, mais on sait qu'elle a été en prison. Et donc, aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à avoir un travail, etc. Et donc, quand on lui propose ce travail, qui plus est bien rémunéré, avec un toit sur la tête, etc., elle fonce et elle accepte. Sauf que, très vite, sans spoil aucun, on va se rendre compte qu'elle est dans une famille où, enfin, elle va se rendre compte qu'elle est dans une famille
et nous aussi en tant que lecteurs, où clairement sa patronne est totalement dingo. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse le lire, mais il y a des moments où j'étais révoltée, j'avais envie de dire à Milly, mais te laisse pas faire, tu mérites pas qu'on te parle comme ça. Et donc ça commençait un petit peu à m'excéder en me disant, mais en fait, si c'est ça tout le roman, ça va me rendre folle parce que sa patronne lui fait vivre des situations absolument horribles, elle est toxique à un point, on dirait vraiment la belle-mère de Cendrillon. Et Emily, à ce moment-là, se laisse faire, essaie de trouver des raisons. Et les filles m'ont dit, donc sur la conversation, je leur ai dit que j'avais envie de connaître la suite, mais que j'étais vraiment très, très, très dérangée par ma lecture. Et que, franchement, je me demandais même si j'allais continuer. Et les filles m'ont dit, non, non, continue, tu verras, on en reparle d'ici 150 pages. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai continué dans ma lecture, j'ai été de révélation en révélation jusqu'à la dernière page, quasiment jusqu'à la dernière phrase. Il y a un espèce de twist auquel je ne m'attendais absolument pas. Et voilà. Et donc, un coup de cœur absolu pour cette plume, pour le fait qu'il y ait beaucoup d'humour et qu'à la fois ce soit un thriller domestique. C'est Morgane qui disait ça dans sa chronique et j'étais assez d'accord. Moi aussi, je lis assez régulièrement des thrillers domestiques, que ce soit avec des Shari Lapena, d'Elisa J. Wells, ce genre de choses. Et ici, on est sur quelque chose de totalement différent. On n'est pas du tout sur les clichés qu'on peut retrouver parfois, et pourtant j'adore ça, hein, dans certains thrillers domestiques. Bien sûr, on a la belle maison, on a la bourgeoisie new-yorkaise, on a tout ça, la bienséance, le fait de faire attention aux apparences, de se soucier du regard des autres, du qu'en dira-t-on, ce genre de choses, ça on le retrouve. Mais on se rend compte que cette façade cache énormément de secrets, et voilà. Et donc ça se lit à une vitesse incroyable, c'est hyper rythmé. Les personnages sont tous hyper mystérieux. En fait, on en arrive à soupçonner tout et tout le monde de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Et voilà, donc une franche réussite. J'ai trop hâte de lire la suite qui s'appelle donc Les secrets de la femme de ménage, que j'ai déjà donc dans ma palle, que j'avais reçue des éditions City en brochet du coup. Et voilà, donc franchement, si vous cherchez une lecture qui, moi en l'occurrence, m'a sortie de ma zone de confort parce que c'est vraiment malaisant, mais j'ai adoré en fait, vraiment j'ai adoré, et les filles aussi. Donc voilà, donc si le résumé vous tente, franchement, foncez. Moi j'avais un peu peur parce que j'avais vu beaucoup d'avis dithyrambiques sur Instagram notamment, je crois que j'ai pas vu d'avis négatif sur ce roman, donc forcément c'est toujours un petit peu à double tranchant, soit on aime, soit on déteste et ça le fait pas du tout. Et là voilà, je commençais à partir défaitiste, mais merci les filles de m'avoir convaincue de poursuivre ma lecture parce que j'ai adoré la finalité et cette histoire. Voilà, donc ça c'est mon autre lecture terminée, que je vais éviter de mélanger parce que j'en ai partout, que ce soit sur ma table basse ou par terre. Parallèlement, j'ai commencé une autre lecture, enfin pas parallèlement, du coup suite à ça, j'ai commencé une autre lecture, puisque nous sommes donc fin novembre, ça ne se voit pas, mais mon sapin est déjà fait parce que je veux en profiter un maximum, et vu que généralement je m'en vais mi-décembre de chez moi, et bien si je le fais début décembre, j'en profite 10 à 15 jours, et donc c'est un petit peu frustrant. Donc il est fait depuis quelques jours, et forcément, qui dit sapin fait, dit petite guirlande, ambiance de Noël, tisane bien chaude, enfin, rooibos bien chaud, et donc comédie romantique de Noël. Donc j'avais celui-ci dans ma palle depuis mon année Charleston, donc depuis l'année dernière, il y a deux ans. J'ai plus de notion du temps, mais oui, il y a deux ans. Et donc, c'est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. C'est le seul roman de Noël de Sophie Jomain que je n'ai pas lu. J'ai lu donc ces deux autres. Il y a Les étoiles brillent plus fort en hiver et Les flocons... je sais plus ce que c'est. Sous les flocons, sous quelque chose comme ça. C'est une couverture rouge. Avec rouge bordeaux. Bref, donc j'avais celui-ci qui était, sans vous mentir, celui qui me tentait le moins parce que nous sommes donc sous les Caraïbes, enfin dans les Caraïbes, à Saint-Barth pour être exact. Et moi j'ai beaucoup de mal avec Noël sous le soleil. Pour moi, Noël, il y a beaucoup de neige, il fait froid, on a des boissons chaudes, on se réchauffe avec des grosses écharpes, enfin typiquement ce que je suis en train de faire en fait. Et pour moi, c'est ça l'ambiance de Noël. Et j'ai vraiment, je suis pas du tout attirée par un Noël sous le soleil. Et donc celui-ci, se passant à Saint-Barth, même si j'avais vu de très bons avis dessus, c'était celui qui me tentait le moins. Mais cette année, donc, j'ai très peu de romances de Noël. J'en ai reçu aucune, je crois, pour l'instant. Donc
j'avais envie de me mettre quand même dans le mood et je me suis dit qu'en novembre, on pouvait commencer avec celle-ci. Donc, je vous lis la quatrième de couve. Rosalie Ernst est formelle. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, brédélé et paysage enneigé. À Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, ses cocotiers, sable fin et riches propriétaires blasés. Alors cette année, pour son premier Noël loin de son Alsace natale, c'est décidé, elle change tout. Car tout changer, n'est-ce pas la raison pour laquelle elle a accepté de s'installer ici et de travailler pour une agence immobilière de luxe? Mais entre une bosse insupportable, un adolescent sauveteur de tortues sorti de nulle part et un Apollon aux abords peu sympathiques, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête, à moins que cet étrange Noël ne se révèle au contraire le plus beau de tous. Et pour l'instant, j'aime énormément ma lecture, donc j'en suis page 237, il en fait 283. Donc, comment vous dire que ça va être vite plié. Et pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire. Alors, ça se lit très très bien. On est certes sous les cocotiers, mais on retrouve un petit peu tous les éléments qui font que, en fait, on aime les comédies de Noël et les comédies de fin d'année de manière générale. On retrouve la plume de Sophie Jomin, on a un personnage de Rosalie qui est assez attachant, bien sûr on a une romance, bien sûr on la voit arriver à 10 000 km, mais finalement c'est aussi pour ça qu'on lit ce genre de comédie romantique de Noël, et voilà, donc pour l'instant je me régale, je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai terminé, c'est frais, ça fait du bien, à la fois vu qu'on n'est pas encore en décembre, ben, psychologiquement j'ai un peu moins de mal à lire un roman qui ne se passe pas en plein milieu d'un chalet enneigé. Mais voilà, donc je suis contente de retrouver la plume de Sophie Jomin. Je ne sais pas si elle en a écrit un cette année. Je suis tellement à la ramasse en termes de sortie que peut-être je suis passée à côté. Mais voilà, donc une très bonne découverte. Et du coup, ça rejoint les avis que j'avais pu voir, notamment des copines lectrices, donc de l'année avant moi. On a Chloé donc, de Lire Encore qui dit « La magie opère, ce roman est réconfortant, réchauffe le cœur, donne de l'espoir et montre que quand on y croit, tout est possible ». Voilà, Laura du conte Les mots des autres, comme à son habitude, Sophie Jomin parvient à nous happer dans l'histoire, à nous attacher à son personnage principal et à nous faire oublier pour quelques heures le monde qui nous entoure. Et clairement, c'est tout ce qu'on recherche quand on a une lecture comme celle-ci. Manon, de la lecture de Manon qui dit « Passer Noël sous les cocotiers, c'est la promesse ambitieuse de Sophie Jomin et le pari est réussi. La plume de l'autrice est pleine de tendresse, alors si vous recherchez un roman féerique, ensoleillé et plein d'humanité, celui-ci est fait pour vous. » Et clairement, elle résume tout à fait mon avis sur ce roman. Donc, bien sûr, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Peut-être, peut-être pas, selon combien de temps je m'ai à le terminer. Mais pour l'instant, c'est un sans faute. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à cette lecture. Ensuite, on va enfin y arriver. Il faut que je vous parle de Brive, puisque du coup, je vous ai pris en retour de Brive, mais je vous ai absolument pas montré ce que j'avais acheté. Donc, première chose, j'avais emmené deux livres pour les faire dédicacer, Canac de Momalo et Avec votre esprit d'Alexis Lepsker, que les deux, je n'ai pas lu encore. Donc, ces deux-là, c'était les deux seuls que j'avais emmenés, que j'avais déjà chez moi. Donc, pour faire dédicacer, donc je vous en parle pas, puisque je vous en avais déjà parlé dans des vlogs au moment où je les avais achetés. Ensuite, j'ai acheté du coup, bien évidemment en lien avec le roman dont je vous parlais juste avant, vous reprendrez bien un peu de Magie pour Noël, qui est donc une comédie romantique de Noël de Karen Pont, donc sortie chez Pocket. Karen Pont, j'avais lu du coup ces deux premières comédies romantiques de Noël, Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie, et j'avais beaucoup aimé, c'était léger, c'était tout ce dont j'avais besoin à cette période de fin d'année, et l'année dernière je n'en ai pas lu, donc là Karen Pont était à Brive, c'était l'occasion d'aller la voir et qui plus est du coup de lui prendre donc ce roman là qui était sorti en poche. Et donc je découvre la quatrième de couve avec vous, je l'avais lu mais il y a très longtemps quand il est sorti, et enfin la quatrième de couve, donc j'ai plus du tout l'histoire en tête. Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation, et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Comme ça c'est dit. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce, avant le 26 décembre, minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël.
Donc clairement voilà, tous les ingrédients que l'on cherche. J'adore le gros cliché de l'agence de publicité puisque j'ai bossé en agence de publicité. Donc ce gros cliché des gens qui ne vivent que pour le travail, les relations humaines sont une perte de temps. C'est pas tout le temps vrai, hein, je vous rassure, il y a des gens tout à fait humains qui travaillent dans des agences de pub. Mais voilà, ça me fait rire et donc j'ai d'autant plus envie de le lire. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Je vais pas enchaîner des comédies romantiques de Noël directement les unes après les autres, mais je pense que je le lirai soit là d'ici la semaine prochaine, soit début décembre. Et je vous en parlerai bien entendu. Donc ça, c'était mon premier achat, pas du tout dans l'ordre, là je les prends dans l'ordre de la pile. Ensuite, je suis allée voir une autrice que je suis du coup sur Instagram et que j'aime énormément, mais je n'avais jamais acheté un de ses livres et encore moins lu un de ses livres. Et c'était l'occasion d'aller la rencontrer, alors même si je me suis retrouvée totalement aphone devant elle avec une voix de Patricia Cass absolument inaudible. Je suis allée voir donc Sophie Astrabi. Déjà on partage le même prénom et surtout j'aime énormément tout ce qu'elle nous partage sur Instagram, son quotidien, son humour, sa façon d'être. Même sur Vinted elle arrive à nous faire rire, ce qui est quand même pas chose aisée ni chose commune. Et donc j'ai opté pour Les bruits du souvenir. Je vous lis la quatrième de couve là aussi. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo chargé d'une pellicule. Le lien entre les deux objets, un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelles en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. En explorant les bruits de nos souvenirs, l'autrice nous conte l'histoire d'une fuite pour mieux se retrouver. Et donc, il me tente beaucoup. À la base, moi, j'aurais aimé commencer par La Somme de nos vies. Mais quand je suis allée voir Sophie Astrabi, donc, elle ne l'avait plus. Il n'y en avait plus du tout sur son stand. Et donc, j'ai pris celui-ci. On a un autre point commun, c'est que toutes les deux, on vient du Sud-Ouest. Et donc, bref, voilà. J'ai un attachement à cette autrice que pour l'instant, je ne connais pas. Mais que j'ai très, très, très envie de découvrir. Donc, si jamais vous avez lu un de ses romans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Insta. Parce que tout simplement, ça me donnera encore plus envie de le lire. Voilà, là en l'occurrence je pense que je ne le lirai pas de suite puisque j'ai énormément de romans dans ma palle qui se passent en période hivernale donc je vais plutôt privilégier ceux-là mais j'aimerais bien le lire du coup en 2024 et bien sûr je vous en parlerai à ce moment-là. Donc deuxième achat, troisième achat je suis allée voir Jérôme Loubry et j'ai acheté son premier roman donc Les Chiens de Détroit qui est je crois le seul que je n'avais pas dans ma palle. Nous sommes ici donc à Détroit en mars 2013. Cette ville qui a été la gloire de l'Amérique n'est plus qu'une ruine déserte, un cimetière de buildings. Bien sûr, entre-temps, mon téléphone s'est éteint. Donc, je reprends là où j'en étais. Une nuit, la jeune inspectrice Sarah Bergkamp mène le groupe d'intervention qui encercle une maison et donne l'assaut. Mais aucun recours à la violence n'est nécessaire, le suspect attend assis à l'intérieur. Il a enlevé 5 enfants et il est sans doute le géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui 7 petits corps il y a 15 ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah ? Aidez-moi. L'histoire s'ouvre donc avec l'arrestation du coupable et pourtant elle ne fait que commencer. À Détroit, personne n'est innocent. Une intrigue magistralement entrelacée jusqu'à la fin, bouleversante. Voilà. Oui mon chat. C'est Gus qui vient de s'installer sur mes genoux. Déjà que je ne suis pas du tout dans une position confortable. Donc, il me tentait depuis sa sortie, globalement. Et puis, j'ai lu d'autres romans de Jérôme Loubry. Entre-temps, j'ai découvert d'autres auteurs de thrillers aussi. Ce qui fait que ce n'était pas ma priorité. Mais là, j'avais très envie de revenir voir l'auteur. Et donc, vu que j'avais déjà tous ses romans, eh bien, j'ai opté pour celui-ci que je n'avais pas. Donc, troisième achat. Quatrième achat, je suis allée voir Zoé Brisby. Zoé Brisby, donc j'avais lu l'année dernière La fille qui n'aimait pas Noël, qui était donc sa comédie romantique de Noël, que j'avais beaucoup aimée et c'était à cette occasion que j'avais découvert donc sa plume. Ensuite, j'avais lu Les mauvaises épouses, pareil, j'avais aimé ma lecture et aimé sa plume. Et donc là, j'ai beaucoup aimé la personne qu'elle était puisque c'est quelqu'un de très sympathique, de très solaire aussi. Et voilà, qui est plein de bonne humeur, de blagues et juste ça fait du bien de rencontrer des auteurs comme ça, et en l'occurrence une autrice comme ça. Donc j'ai choisi Plus on est de fous, et ici donc nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Vous verrez, vous allez vous plaire ici. Luc se leva d'un bond. Mais non, justement, je ne veux pas rester, je dois sortir. Vous avez raison, il faut vous aérer, je m'apprêtais à aller me suicider, je compte me pendre au grand pommier. Souhaitez-vous vous joindre à moi ? Bienvenue à la clinique psychiatrique Beau Soleil, demeure de charme abritant des pensionnaires hors du commun. Ce petit monde vit à peu près en harmonie sous le regard bienveillant de Marguerite. Qu'est-ce que tu fais ? Bref, je vais y arriver.
Ce petit monde vit à peu près en harmonie sous le regard bienveillant de Marguerite, l'infirmière en chef, et du mystérieux docteur Petit Pas. Tout change quand Luc, nouveau patient, fait une entrée fracassante. Cette arrivée et l'apparition d'un directeur intérimaire sans scrupules bouleversent un quotidien bien réglé. Les patients doivent prendre les choses en main. C'est le début d'une folle aventure. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il me tentait beaucoup. J'avais vu à l'époque que de bons, enfin à l'époque, comme si c'était il y a 10 ans. À sa sortie, j'avais vu beaucoup d'avis positifs dessus. Donc, forcément, il me tentait. Et donc, ça s'est confirmé en discutant avec l'autrice, puisque j'ai beaucoup apprécié la personne. Donc voilà. Donc, j'ai très hâte de le lire et de retrouver l'humour caractéristique de Zoé Brisby dedans, je l'espère. Donc, ça, Gus, t'es pénible. Hein. Je vais te le donner. Hein. Allez, vas-y. On va le chercher, il est parti sur la table. Bref, donc là, on était au quatrième achat. Ce n'est pas du tout fini, mais je vais faire une petite pause technique, parce qu'à force, il va être froid. Effectivement, il est tiède. Cinquième achat. Un jour, tu paieras de Petroni Rostagna. Ici, nous sommes bien sûr sur un thriller. C'est une autrice que je ne connais pas. Ni humainement, je ne la connaissais pas, et encore moins les histoires qu'elle raconte. Toujours est-il que la personne qu'elle est est très 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 sympathique. On a passé un moment d'échange très très agréable avec Petronille, et donc j'ai pris son roman qui est le premier de la détective, pas la détective, n'importe quoi, de l'avocate Pauline Carrel. Et donc il s'appelle Un jour tu paieras, et je vous lis la quatrième de couve aussi. Le corps d'une lycéenne est retrouvé entre la vie et la mort en pleine forêt de Rambouillet, sans qu'on ait la moindre piste. Qu'a-t-il pu lui arriver? Pendant que la police mène l'enquête, Pauline Carrel, jeune avocate pénaliste, est commise d'office pour défendre Mathieu dans une affaire de double homicide. Il n'a aucunement le profil du coupable, pourtant tout accuse ce brillant étudiant en médecine. Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline y voit l'opportunité de se faire un nom. Mais alors qu'elle se bat pour blanchir son client, certains épisodes de son passé menacent de ressurgir. Voilà, donc il me tente beaucoup. Et là, en l'occurrence, on a prévu de le lire en février avec les copines, puisque du coup, on était 6 à Brive, on a été 6 à l'acheter. Donc, forcément, on le lira ensemble. Donc, je vais bientôt m'en sortir, puisqu'il m'en reste 2 à vous présenter. J'ai l'impression que c'est interminable. Alors, ensuite, pour les 2 romans qui restent, je me suis totalement laissée porter par les copines. J'ai pris un roman d'Adèle Bréau, donc Frangine, que je ne connais pas du tout. Je sais juste que Adèle Bréau a été rédacteur en chef du magazine Elle et du magazine Paris Match, Gala, je ne sais plus. Bref, donc voilà, donc elle adore la mode, etc. Et du coup, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas du tout fait le rapprochement avec le fait qu'elle écrivait des romans. Et donc ici, nous sommes sur son roman donc, qui s'appelle Frangine, qui est assez connu. Hein. Moi, je l'avais vu passer pas mal de fois sur Instagram. Et donc, la quatrième de couve, Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tous les opposent et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise, la benjamine, née bien plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car les murs de la garrigue, gardiens des secrets de 3 générations, ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. Donc, il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais vu beaucoup d'avis très positifs dessus. Et donc, je pense que c'est une lecture que je me ferai peut-être l'été prochain, justement pour me plonger dans cette atmosphère provençale. Donc, on est à Saint-Rémy-de-Provence, sous le soleil, j'imagine. Et voilà. Donc, une très belle rencontre là aussi avec Adèle Bréau. Et enfin, qu'est-ce que tu fais? On va aller farfouiller je ne sais où. Et enfin, je me suis laissée porter donc, pour un roman de Hergé et Laurie. Donc Hergé et Laurie, j'ai Seul le silence dans ma... Non, pas du tout Seul le silence. J'ai Papillon de nuit dans ma palle que m'a offert ma copine Aurélie assez récemment. Seul le silence était à la limite le deuxième roman qui m'aurait tenté de l'auteur, mais quand je suis allée voir, il ne l'avait plus. Et donc j'ai pris Le jour où Kennedy n'est pas mort, qui me fait énormément penser dans l'histoire à 22-11-63 de Stephen King, que j'avais juste adoré, qui avait été un coup de cœur incroyable sur l'année 2021. Ici, donc, bien sûr, nous allons traiter de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et un assassinat qui, du coup, n'en est pas un.
C'est l'une des histoires les plus connues au monde et l'une des plus obscures. Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John Fitzgerald Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule, je suis désolée, j'ai plus de voix, quand soudain, rien, le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, le photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée, Jean Boyd, dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un milieu aussi dangereux que complexe, le cœur sombre de la politique américaine. Et bah clairement, la quatrième de couve avait tout pour me séduire. Le côté justement qui se passe dans les années 60 et en l'occurrence là en 63 aux États-Unis, c'est une période que j'aime énormément, qui m'attire beaucoup dans la littérature. À la fois ce côté 22-11-63 mais de manière un peu inversée, j'aime beaucoup ce fait de réécrire l'histoire en fait à sa sauce dans un roman. Quand c'est bien fait et que ça fonctionne, ben c'est très chouette, donc je vais tester avec celui-ci. Et à la fois ce côté bien sûr au cœur de la politique américaine qui est moi quelque chose qui me fascine depuis toujours pour avoir travaillé en politique, mais française, c'est très différent, c'est une culture totalement différente, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, donc nous verrons ce que donne ce beau petit bébé qui fait quand même quasiment 600 pages, 570. Donc pareil, je vous en reparlerai du coup quand je le lirai, mais une très chouette rencontre donc avec l'auteur qui m'a donc gentiment fait une petite dédicace. Voilà, donc c'était tout pour les achats de Brive. Globalement, je pense qu'on peut dire que j'ai quand même été raisonnable. Pas tant que ça, vous allez me dire, mais puisque j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai acheté 7 livres. 7 livres pour moi, qui sont donc là, et 2 livres, mais que je ne vous montrerai pas ici, puisque les personnes à qui je les offre regardent ces vlogs. Voilà, donc ça c'était le point Brive et je vais faire une mini pause avant de vous reprendre pour un unboxing, enfin pour plusieurs unboxings d'ailleurs parce que je n'ai pas du tout fini, la montagne est encore là. Je parle pas de Gus, je parle juste derrière lui. Voilà, donc je vais aller me refaire un thé et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour enfin ouvrir tous ces colis qui pèsent d'ailleurs 20 lourds. Donc un premier colis qui me vient de chez We Are. Vous connaissez cette marque, je vous en ai déjà parlé, c'est la marque de bijoux que j'aime énormément. La preuve, j'ai beaucoup de choses qui viennent de chez eux. Et même ici, non pas celle-là, remarque. Et donc j'ai reçu deux paires de boucles d'oreilles que j'ai moi-même choisies, qui donc font partie de la nouvelle collection. J'aime toujours autant vraiment leurs produits et la preuve, ils durent hein, pour certains. Que cette bague, je vous l'ai présentée il y a plus de 2 ans et je dors avec, je ne l'enlève jamais, même quand je me douche, même quand je pars me baigner, etc. Donc, j'ai choisi 2 paires de boucles d'oreilles. Alors, je ne sais pas lesquelles sont lesquelles. Alors, celles-ci, elles sont juste magnifiques. Du coup, celles-ci, c'est les vives. Hop, regardez comme elles sont belles. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Elles sont toutes multicolores. C'est des toutes petites créoles. Je vais les tester, je vais les mettre en direct, comme ça vous allez voir ce que ça donne. En plus, j'ai plus de boucles d'oreilles depuis hier soir. J'ai perdu une de des 2 boucles d'oreilles que j'avais, ce qui fait que j'ai les oreilles nues. J'ai enlevé l'autre du coup pour pas qu'elle soit toute seule. Et donc, je sais pas si vous voyez très bien, voici ce que ça donne. Elles sont trop trop belles. Elles sont hyper discrètes et tout, et à la fois ça fait un peu de couleur. Ça change, je suis pas du tout strass d'habitude, mais là je trouve que vraiment ça change et c'est très joli. Donc celle-ci, ah j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Alors là ça se voit, ça rend pas très bien en vidéo je trouve, mais je pense que c'est très très chouette le rendu. Donc ça c'est les premières et les secondes, ah celles-ci sont magnifiques aussi, je vous les montre dans la boîte. C'est des créoles là aussi, des petites créoles mais assez épaisses. Et du coup je vais tester, je vais mettre... Je vais enlever celle-là. Hop. Et en plus, elles se mettent facilement et elles se serrent bien. Donc, normalement, pas de risque de les perdre. Et donc, celle-ci, c'est les autres. Hop. Voilà. Donc, elles sont épaisses, mais à la fois toutes petites. Enfin, c'est discret, je veux dire. Ça fait pas des énormes créoles. J'en ai des très grosses, hein, mais enfin, des beaucoup plus grosses que ça. Mais j'avoue, j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, pas à porter comme ça, mais j'aime beaucoup. Et donc celles-ci, c'est les fortes, puisque du coup elles sont plus,
elles sont plus importantes, elles sont plus grasses, elles sont plus épaisses. Voilà, donc non, très contente encore une fois de ces boucles d'oreilles. Du coup, c'est du plaqué or, bien sûr, ça résiste à tout, hein, la preuve, comme je vous disais, tous leurs bijoux que j'ai, alors sauf cette bague-là, mais ça vient de chez eux. Ces bagues-là, ces deux bagues-là, elles viennent de chez eux. Sur les bracelets, j'en ai quelques-uns qui viennent de chez eux. Ici, j'en ai un. Et les autres, après, c'est les copines qui me les avaient offerts. Après, je change régulièrement. Mais les boucles d'oreilles, c'est une valeur sûre. J'ai déjà des paires de chez eux et je les aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais les poser pour pas que tout soit emmêlé. Mais par contre, je vais remettre celle-ci. J'aime beaucoup les colorer. Là, ça change. Moi qui mets normalement que du plaqué or, mes couleurs plaqué or, ben là, je trouve que ça va égayer un peu d'avoir quelques couleurs et à la fois, c'est discret. Donc, bien sûr. J'adore cette marque, mais je collabore avec elle. Donc, j'ai un code pour vous. Le code en question, c'est Sophie15. Je vous le mets ici. C'est donc le même code que je vous mets à chaque fois. La collaboration, du coup, elle dure une semaine. Donc, ce code, il est valable une semaine. Ça peut être aussi, du coup, l'occasion pour vous de faire des cadeaux de Noël, comme je le disais pour les bougies en début de vidéo. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, en qui j'ai toute confiance. Parce que les produits durent et qu'en fait quand on reste sur des prix je trouve accessibles, notamment sur des bagues etc. pour des produits qui durent, ça m'est arrivé moi de mettre ce prix-là, voire plus cher, bien plus cher, dans des bagues pour que ça noircisse en très peu de temps. Là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, donc si vous cherchez une petite marque française, puisque malgré son nom anglophone, c'est un, enfin consonance anglaise, c'est une marque française et une marque donc qui travaille avec des produits de qualité et qui mérite qu'on l'encourage pour ça. Vous avez d'ailleurs 50 centimes par commande qui sont reversés à des associations. Alors je ne sais plus exactement les associations, mais normalement je crois qu'il y a la SPA, il doit y avoir la Ligue contre le cancer, ce genre de choses. Donc c'est également l'occasion de faire une bonne action en faisant du shopping. Voilà, je vous remets bien sûr du coup tous les éléments liés à cette collab dans la barre de la vidéo et vous pourrez retrouver tout ça. Ensuite, nous arrivons sur un colis que je n'ai pas du tout ouvert. Alors, si, que j'ai ouvert mais pas à l'intérieur. Je me disais pourquoi il est ouvert, mais je pense que c'est mon conjoint qui l'a ouvert. Hop. Et donc, nous sommes sur un prêt cadeau de Noël qui m'est offert par Steph de Pikiti, donc Pikiti Shop. Sophie, joyeux Noël en avance, Stéphanie. Et donc un immense merci à Steph et vous allez comprendre pourquoi. Puisque... Non mais elle est magnifique. Oh là là, je suis trop contente. Donc Steph, Stéphanie, mais ça me fait bizarre de dire Stéphanie. Steph a fait une collab avec Adèle Chat, qui est une illustratrice que j'adore. Même si je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de commander chez elle parce que j'ai déjà les tiroirs qui débordent et que voilà. Mais je trouve son travail magnifique et donc elle a fait une collab avec Adèle Chat. Et elle a sorti plusieurs beautés incroyables sur sa boutique, dont des housses de coussin, etc., des pochettes à livres. Et donc celle-ci, c'est la pochette à livres librairie de Noël. Elle est juste magnifique. Vraiment, elle est très très belle. Elle est très épaisse, donc parfaite pour y mettre hop, un livre de poche, par exemple. Là, le livre est tout à fait bien. Mais ça marche aussi avec un Charleston, par exemple. Hop. Je vais y arriver. Voilà, ça marche aussi avec un grand format. Bon, il ne rentre pas totalement, mais ça marche aussi parfaitement. Et la pochette est juste sublime. Donc, vraiment un grand, grand, grand merci à Steph pour cette pochette. Et du coup, si elle vous plaît, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que je vous donne rendez-vous sur mon compte Insta mardi 28 novembre pour tenter de la gagner. Puisque du coup, j'organiserai un concours qui dure 24 heures. Donc, ne tardez pas et notez-vous bien la date quand cette vidéo sortira. Pour vous permettre de gagner cette pochette. En fait, on est toute une tribu d'anciennes lectrices Charleston à organiser des concours à partir de ce week-end. Donc là, quand vous verrez cette vidéo, normalement, ça aura déjà commencé sur certains comptes. Et donc, notamment, voilà, Pascal, Angie, Magda, Louise, Laura, Mélanie, toutes les copines Manon, etc., lectrices Charleston, vous proposeront des concours, que ce soit pour gagner cette pochette, que ce soit pour gagner d'autres pochettes sur la collection de Noël. Que ce soit pour gagner des housses de coussin, enfin bref, vous aurez plein d'opportunités de gagner plein de petits cadeaux et de découvrir le merveilleux travail que fait Steph et Adèle Chat.
En plus, elle m'a glissé du coup deux marque-pages qui sont parfaitement donc dans le thème. Du coup, je vais pouvoir d'ores et déjà, je pense, le mettre dans ma lecture en cours. Et voilà. Donc, ça, c'était l'autre colis. J'ai l'impression que ça ne désemplit pas. Il n'en reste plus qu'un. Et donc ici, il s'agit d'un colis des éditions Charleston, donc que j'ai déjà préouvert, vous l'aurez compris, puisque j'ai pris ce roman-là. Donc là aussi, on est sur une romance de Noël. Clairement, ça y est, je commence à rentrer dans le mood plus. Donc c'est Un lama pour Noël, c'est le nouveau roman de Céline Olinsky que je suis sur Instagram et qui me fait beaucoup rire. Et oh mon pauvre chat, je t'ai mis le paquet cadeau dans ta panière. Et donc en fait c'est un colis que j'attendais depuis assez longtemps on va dire, quelques semaines, et en fait tout le monde l'avait reçu mais chez moi il n'arrivait pas, et donc Emeline me l'a gentiment renvoyé parce que je pense que mon facteur était en échec total devant ma boîte aux lettres, et donc j'avais des messages de la poste me disant votre colis n'a pas pu être livré alors que je n'ai pas de soucis d'habitude. Donc j'attendais ce colis, je savais qu'il allait arriver. Donc Un lama pour Noël, c'est bien sûr une comédie romantique de Noël. Cette fois, c'est décidé, Lina ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille. Après un échec professionnel et une rupture amoureuse, il est urgent de faire le point. Exit la course aux cadeaux, les champs polonais et la traditionnelle soupe de betterave, elle n'aspire qu'à la paix, loin de la frénésie de Noël qu'elle ne supporte plus. Alors quand Yaya, sa grand-mère, lui propose d'aller se reposer dans la maison d'un vieil ami au Québec, elle saute sur l'occasion, rêvant de grands espaces isolés, de nature, de silence. Mais à quelle tranquillité peut-elle réellement prétendre quand un lama idolâtré par tout le village, comme une vache sacrée en Inde, en fait sa nounou attitrée? Entre des expéditions hasardeuses à motoneige, des festins de poutine et des voisins bien trop envahissants, Lina commence à se demander si elle a fait le bon choix. Et donc j'ai trop hâte parce que bien sûr ça se passe au Québec, que c'est un territoire que j'affectionne énormément pour y avoir passé du temps dans ma vie. Et voilà, j'ai hâte de retrouver cette atmosphère, j'ai hâte de retrouver un Noël enneigé aussi au cœur du Québec. Et puis surtout la plume totalement déjantée de Céline Olinsky que je prends plaisir à suivre sur les réseaux parce qu'elle est complètement barrée et qu'elle nous fait beaucoup rire. Donc voilà, donc première réception. Ensuite, j'ai reçu avec du coup la collection collector des 7 sœurs que bien sûr je collectionne. Donc on a le tome 2, La sœur de la tempête. Il est magnifique. Il est sublime. J'ai déjà le tome 1, hop. Et le tome 3, La sœur de l'ombre. Pardon, j'allais dire La sœur de la tempête, mais je viens de vous le dire. Et vraiment, cette édition, elle est incroyable. Donc, tome 2 et tome 3 qui vont venir se rajouter dans ma bibliothèque. C'est des belles bricasses. Ils sont bien lourds. Mais cette collection, je la trouve juste sublime. Et c'est pas pour rien que c'est la collection collector. Voilà, je vous parle pas des quatrièmes de couvre puisque cette saga, je pense que vous la connaissez. Moi, la première, je vous en ai parlé au fur et à mesure puisque donc j'ai lu, il me reste que le tome 7, oui, La sœur disparue et le tome de Passault. Et donc voilà. Avec ceci, eh bien, c'était tout. Je suis arrivée au bout, enfin, de cet unboxing et de cette journée. Donc, il est tatam 20h04. Il va falloir que j'aille préparer à dîner parce que mon conjoint va rentrer dans à peu près une heure et que donc, ce serait bien qu'on puisse manger à 21h. Donc voilà. Donc, je vous laisse. C'est le week-end. Je vous avoue que je réalise pas du tout. J'ai eu mes parents au téléphone juste avant et j'ai l'impression d'être encore jeudi soir. Mais ça va venir, je pense que je vais réaliser demain matin quand je n'aurai pas mis de réveil, que je vais pouvoir, je l'espère, dormir un peu. Et voilà, en tout cas j'ai une semaine assez chargée en termes de travail, des mois qui arrivent qui vont être assez différents aussi puisque du coup je change de travail à compter de début février, donc je quitte mon travail actuel mi-janvier, voilà, il est temps de vous l'annoncer. Donc fini les allers-retours à Paris, je me relocalise à plein temps à Bordeaux et voilà, et ça fera du bien pour avoir un équilibre perso. Donc voilà, donc forcément qui dit nouveauté dit aussi fin d'année, dit aussi passation sur le poste et ce genre de choses. Donc voilà, mes journées sont bien remplies, on va dire ça comme ça. Et puis surtout avec l'hiver, les cadeaux de Noël, tout ce qui approche, ma tête aussi. Donc je vais aller faire un peu le vide, peut-être commencer un livre audio en même temps que je fais la cuisine. Et puis je vous reprends, je pense, demain pour vous faire un update de mes lectures.
on est dimanche et je vous prends enfin pour clôturer cette semaine de vlog. J'ai un colis à vous montrer que j'ai ouvert mais que je n'ai pas totalement déballé. C'est un colis qui me vient de chez Muse et donc je suis hyper contente. Donc voici l'emballage en question. Et il s'agit d'un t-shirt que j'ai choisi volontairement noir. Je ne sais pas s'il va le rester longtemps mais je n'avais pas de t-shirt noir. Et donc c'est la collection Harry Potter. Hop, il est très chouette et du coup il est écrit I solemnly swear that I am up to no good, qui veut dire je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, la célèbre phrase d'Harry Potter pour ouvrir la carte du maraudeur. Et voilà, je suis trop contente, je vais l'essayer juste après, mais parce qu'il fait pas très chaud, donc là je vous avoue je suis pas très motivée pour mettre un t-shirt, mais il est très chouette. Et du coup il pourra aller avec toutes mes tenues. J'espère donc qu'il pourra rester noir puisque Monsieur Gus a une passion pour tout ce qui est noir pour s'allonger dessus. Et du coup j'ai des poils blancs et roux partout. Mais voilà, donc il est très chouette. En termes de taille du coup c'est une taille M classique comme ce que je prends. Non, taille S pardon, je vous dis n'importe quoi. Hop, ouais c'est une taille S. Comme d'habitude, mais sa taille est assez grand, donc voilà, toujours parfait. Du coup, je vais aller l'essayer après, mais je pense que ça ira, je n'ai pas de doute là-dessus. Je vous remets du coup le code Muse si ça vous intéresse, j'ai toujours un code en partenariat avec Angéline dans la barre d'infos, mais je ne l'enlève jamais de toute façon de toutes mes vidéos. Concernant du coup l'update lecture, alors je vais mettre ça de côté. Concernant l'update lecture, donc j'avais commencé une lecture qui était Anne Perry, le curieux Noël de Mrs. Ellison aux éditions 10-18. C'est un roman que j'avais acheté l'année dernière d'occasion. Et donc en fait, je l'ai commencé hier, je crois. Ouais, hier, il me semble. Ou vendredi soir, je ne sais plus. Et en fait, je n'arrivais pas du tout à rentrer dedans. J'avais lu. Il est assez court. Hein. Il fait 150 pages, 160 pages. Et donc sur ces 160 pages, j'étais arrivée page 63 et malgré ça en fait, j'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire. Donc je sais bien sûr que ce roman-là fait partie d'une saga, enfin que il y a différents livres qui se passent avec ce même personnage de Mrs. Ellison. Mais malgré ça, impossible de rentrer dedans, de m'attacher au personnage, d'arriver un petit peu à comprendre l'intrigue aussi. Et donc en fait, j'ai laissé tomber. Tout simplement parce qu'en fait j'ai beaucoup déjà de livres dans ma palle, que je n'avais pas envie de m'encombrer avec une lecture qui me tentait pas plus que ça. Enfin en fait il me tentait énormément sur la période de Noël puisque bien sûr on arrive en fin d'année. Mais j'ai pas voulu batailler parce que je me suis dit que si j'avais pas envie de retourner à ma lecture et si j'arrivais pas à rentrer dedans, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc voilà, je laisse cette lecture là de côté pour l'instant. Du coup, c'est tout pour cette semaine de vlog. Je vais commencer une nouvelle lecture, mais je ne sais pas encore laquelle. Je vais aller voir ça devant ma bibliothèque et voir un petit peu ce que j'ai envie de lire. J'ai bien envie d'une lecture de Noël à défaut d'avoir terminé celle-ci. Donc, je vais voir parmi ce que j'ai. Et bien sûr, je vous en parlerai dans le vlog prochain en introduction du vlog. Donc, comme toujours, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Là, on est sur un vlog un peu plus long que d'habitude, donc je pense que ça ravira les personnes qui aiment ce genre de vlog long. Ça faisait un petit moment, moi aussi, je vous avoue que je suis contente. Mais en même temps, j'avais tellement de choses à vous dire. Donc voilà, donc j'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions. Et comme toujours, je vous souhaite de belles lectures, une belle semaine et je vous dis à la prochaine.